Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. On va prendre le temps d'étudier ensemble le deuxième mouvement de la première symphonie de Brahms. Et je sors mes crayons à l'instant et vous allez pouvoir voir très très bientôt ma partition. Ça va être un stream qui sera très tranquille, vous allez voir. Et c'est le type de travail qu'on fait comme chef d'orchestre à longueur de semaine, dans le fond. Donc voilà maintenant, vous voyez maintenant ma partition à l'écran. Et on commence. Donc, c'est un mouvement-là, Andante sostenuto. Et il y a quelques éléments intéressants quand même. C'est un mouvement qui utilise toute l'orchestration, donc avec timbales, trompettes, cor, contrebasson, plus les normaux cordes et bois ensuite. Il y a aussi un moment où est-ce qu'il y a un violon solo. C'est pas quelque chose qui est traditionnel dans une symphonie non plus. Donc c'est un mouvement assez court. Donc j'espère avoir fini. Ça devrait prendre autour d'une heure peut-être à étudier quelque chose comme ça. J'étudie de manière à rendre mon étude pour les musiciens qui jouent pour moi, dans le sens que je regarde beaucoup les entrées, par exemple. Oui, en effet, c'est un autre angle en bas à droite. J'étudie beaucoup dans le style de être sûr que s'il y a une entrée qui doit être faite par un musicien, alors je peux leur donner l'entrée pour être certain que je n'oublie pas. Alors, vous allez voir que beaucoup de mon étude qui est marquée se situe vraiment sur les entrées et qu'est-ce que je trouve intéressant dans la musique. D'autres chefs qui vont avoir, par exemple, beaucoup d'attention pour les nuances. Donc, s'il y a un pianissimo, s'il y a un pianissimo forte, ça va tout être écrit dans la partition. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse un peu moins parce que je pense que ça fait partie de la musicalité. Mais s'il y a des choses vraiment importantes de subito, par exemple de piano à forte, alors là oui, je vais faire attention que ça soit bien écrit dans la partition pour pas que j'oublie. Donc on commence au début. La première fois que je regarde la partition, je vais généralement travailler sur marquer ma partition au complet pour voir de quoi ça a l'air. Et ensuite, je vais instrument par instrument, par groupe d'instruments pour être sûr que je n'oublie pas une entrée, par exemple. La page de gauche, elle est un peu lumineuse. Ça vient de la lumière de l'extérieur grâce à ma fenêtre. Donc, on commence au début. Comme je disais, c'est ça. Là, pour l'instant, je n'ai pas de limite sur quel instrument que je regarde. Donc, quelque chose d'intéressant avec le basson au début, quand même, hein? On aurait pu très bien imaginer que ça aurait été un passage juste de cordes, mais donc, c'est bien important que le basson se sente inclus avec l'entrée de cordes ensuite.
Évidemment, il y a des entrées qui sont plus importantes que d'autres. Ici, c'est pas vraiment quelque chose de très important parce que, évidemment, ils viennent tout juste de jouer, donc ils devraient normalement pas être perdus. Ça fait pas 50 minutes qu'ils attendent. Mais c'est quand même le début d'une mélodie, donc je veux porter une attention à eux. Ensuite, également pour les violoncelles, ça fait pas très longtemps qu'ils ont commencé à jouer, mais ils prennent quand même une mélodie. Donc, je suis intéressé à être avec eux à cet endroit-là. Ça ici, c'est une entrée qui est beaucoup plus importante de la part des bois, puisque c'est la première fois qu'ils jouent pour la clarinette et la flûte. Donc, quand c'est le début, la première fois qu'ils jouent dans un mouvement, c'est quelque chose que je fais toujours attention d'essayer d'être avec eux quand même. Et tout ça, évidemment, comme vous le savez, est en préparation de mon événement du 31 décembre à 13h. J'espère que vous pourrez être présent. C'est un événement où est-ce que je vais diriger toutes les symphonies de Brahms, une après l'autre, avec le concerto de violon dans le milieu. Et donc, je me disais qu'en préparation de ça, il y a peut-être des gens qui pourraient être intéressés à voir de quoi ça a l'air le travail en préparation. Donc, c'est pour ça que je commence aujourd'hui. Hier, j'ai fait le premier mouvement et donc aujourd'hui, on est dans le deuxième mouvement de la première symphonie de Brahms. Ici, c'est le beau passage de hautbois. Il n'y a pas vraiment rien à écrire, sauf l'entrée de cordes et surtout de contrebasson. Comme je disais, c'est le premier motif qu'il joue. Donc, je veux bien être avec présent pour ce passage-là. Ici, le début du moteur par violon 2 alto. Et maintenant, le moteur continue au basson et cor. Donc, c'est bien important de leur montrer qu'ils doivent suivre la ligne musicale à cet endroit-là qui part d'ici et qui s'en va vers cor et basson. Un PID est toujours un élément important à aider l'orchestre pour être certain qu'ils puissent bien jouer ensemble. Ah, ici un élément intéressant que j'avais pas vu, que j'ai simplement vu en regardant la page suivante. Violon 2 et alto ont vraiment quand même une grande importance ici. Étant la mélodie, et c'est pas quelque chose c'est pas nécessairement rare, mais c'est quand même un moment spécial, et donc c'est important de bien leur faire comprendre que ce qu'ils jouent, ce n'est pas un accompagnement, mais bien la mélodie, et donc d'être avec eux pour ça. L'entrée de hautbois, ici, avant la lettre B. Entrée de clarinette pour ce passage-là. C'est un passage qui est difficile pour les cordes ici. Mais c'est pas quelque chose qui est. Je n'ai pas une entrée à donner. Il faut juste que je sois quand même avec eux pour être certain qu'ils sont capables de garder les rythmes. Hey, on est 8 personnes de connectées aujourd'hui. Merci beaucoup de votre présence. Puis voilà, très très heureux d'être avec vous ce matin, en ce lundi matin à 10h46.
entrée de flûte et de basson à cet endroit-là. Le hautbois avait déjà joué jusqu'au passage avant, et donc c'est pour ça que je vais simplement écrire corps ici. Aider les bois ici à la mesure 54 pour la fin de ce passage-là. Ici, un grand moment intense par Brahms où est-ce que des violons 1, violon 2 font presque une gamme entière vers le haut, arpège en fait, alors que du côté des violoncelles basses, on descend vers le bas et donc c'est quelque chose de très intéressant à monter. Généralement, la partie du haut va être très facile à entendre, mais la partie du bas doit être bien montrée. Donc je vais essayer d'être avec eux pour ceci. Pour ceux que ça intéressait, j'ai avant de commencer cette étude des instruments eux-mêmes, vous voyez dans mes partitions qu'il y a des grandes lignes oranges. C'est la division des mesures, comme je le vois, comme je l'ai vu quand j'ai fait ma division des mesures. Évidemment, ça peut changer. Et ça me permet de, lorsque je dirige, d'avoir un plan très clair de ce qui s'en vient. Et donc, je vais souvent regarder juste une fois pendant ce passage-là de quatre mesures, souvent, voir où est-ce que sont les marques vertes que j'ai marquées pour les entrées, par exemple. Et donc, je vois ici, quand je fais le passage, que je remonte pour diriger, qu'il faut que j'oublie pas de l'entrée des cordes et de contrebasson ici. Et donc, ça me permet de me faire un plan très stratégique sur le moment où est-ce que je regarde ma partition ou est-ce que je regarde pas la partition. Puis au niveau du feeling de la musique aussi, c'est important pour savoir où est-ce que sont les temps forts, entre autres, au niveau complet, au niveau à travers les mesures. Et dernier élément intéressant aussi, j'utilise un crayon. C'est quoi le nom déjà? Friction. 0.7, ce qui me permet de pouvoir effacer si j'ai besoin, comme vous avez peut-être vu faire un peu plus tôt aussi, ici où est-ce que j'ai effacé un marque. Et donc c'est super parce qu'à travers les temps, même si j'ai écrit quelque chose en encre, je peux l'effacer quand même. Donc, entrée de hautbois flûte ici. Alto, violon 2, violon 1, suivi par clarinette, basson, les mêmes gens, et ensuite violoncelle. Et donc, comme c'est les mêmes gens, je crois qu'ils sont corrects, mais violoncelle, ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas joué, donc je peux passer un peu de temps avec eux. Entrée de corps qui n'a pas joué pendant plusieurs mesures quand même. Presque une quinzaine de mesures et donc ça vaut la peine de passer du temps avec eux aussi. Ah, très important ici, l'entrée de timbales avec contrebasse. Et donc, selon ma vision, on a peut-être atteint la récapitulation de l'œuvre. Oui, je pense qu'on vient d'arriver.
Évidemment, c'est quelque chose qui peut changer, mais selon ma vision jusqu'à maintenant, mesure 67, récapitulation. Évidemment, on peut peut-être encore dans le moment de développement, et donc, ça n'est pas clair encore, mais... On est de retour en mi majeur. Ça reste à voir. Ici, passage en PIDS, important de bien donner l'entrée pour ça ici, suivi par violon 1, violon 2. Au niveau du thème ici, on voit flûte, clarinette, basson. L'alto vient joindre ici les violons 1 dans la mélodie. Entrée de violon 2. Oh non! Chance que j'ai un crayon qui s'efface. Comme vous voyez ici, maintenant, il y a une ligne de violon solo et donc c'est l'entrée de violon 1. Violon 2 et alto à cet endroit-là. Suivi par violoncelle basse. Donc ici, c'est un solo très connu hein, de violon 1, violon solo concert master, hautbois et cor. Certainement une entrée importante de timbales et trompettes. Ici. Dans les violoncelles.
Cette fois-ci, comme les violons 2, alto et timbal jouent ensemble ce rythme difficile, je vais passer avec un peu de temps avec eux ici pour être certain qu'ils sont bien lancés. Suivi par violon 2 avec le thème au corps. Si violon 2 pourrait être associé à la flûte. Belle réponse dans les bois. Ici, bois, j'ajoute souvent un corps puisque ça fait partie du groupe en général. Corde. Bonjour Justin, c'est le deuxième mouvement de la première symphonie de Brahms. J'ai essayé de l'écrire en titre sur la vidéo, mais malheureusement, je n'ai pas été capable. J'espère pouvoir régler ce problème-là pour la prochaine fois. Le titre n'apparaissait juste pas, en fait. On commence à avoir beaucoup de soleil. Voilà, on voit un peu mieux maintenant. Donc c'est ça, le deuxième mouvement de la première symphonie Brahms en préparation du 31 décembre, où est-ce que je vais diriger toutes les symphonies. Et j'ai fait le premier mouvement hier et très heureux de pouvoir continuer ce deuxième mouvement avec vous en préparation de tout ça. Passage de basson juste ici. Ensuite. Avec l'entrée de corps. Oui, ça apparaît sur Facebook, mais ça apparaît pas dans OBS. Ce que j'ai essayé de faire également. Donc ça fonctionne pour l'instant comme ça, mais si je veux mettre la vidéo sur YouTube ensuite, ça pourrait être intéressant d'avoir le titre en haut également. J'ai encore fait la même erreur que tantôt. J'oublie toujours qu'il y a une troisième, il y a une portée de plus qui existe présentement pour les cordes, pour la partie de solo. Et donc, c'était violon 1 comme entrée et non pas violon 2. Ah, j'ai manqué l'entrée de trompette ici. Je l'aurais vu en repassant sur chacun des instruments, mais c'est bien d'avoir déjà écrit. Puisque la trompette n'est pas beaucoup utilisé dans cette symphonie, dans ce mouvement-là. Donc, d'être avec eux pour chaque entrée est quand même très important. Même chose pour la timbale. Les percussions en général, c'est toujours intéressant pour un chef d'aller voir pour être certain d'être avec eux dès que c'est possible.
Le même passage de cordes maintenant fait dans les bois. Est-ce que c'est la première fois que les bois jouent ce rythme-là? Je crois que bien que oui, en fait. Dum, podum, podum, podum. Dernière petite entrée de trompette et timbale. Pour les pizzas finales avec la timbale, accompagnée par violon 2, violoncelle, violon 1, alto. Et finalement, solo ici. Timbales et cordes. Il y a beaucoup quand même de choses à diriger dans cette fin-là quand même, hein? Donc, après avoir fait un premier survol de la partition pour les entrées et tout et les choses qui m'intéressent, maintenant je repasse à chacun des instruments et donc j'espère pouvoir finir dans la prochaine heure et vous pourrez nous suivre sur la chaîne Twitch de mon frère dès midi. Dans 55 minutes environ pour l'entraînement du lundi midi Insanity. Je vais poster le lien de la chaîne Twitch paritaire des guerriers afin que vous pouvez nous joindre pour les entraînements. Voilà. Dès midi. La chaîne Twitch de Paritaire. Donc, on commence avec maintenant contrebasse et violoncelle. Je regarde si j'ai oublié des entrées, s'il y a des choses intéressantes que je veux mentionner, et je passe comme ça à chacun des instruments. Ah oui, c'est quelque chose que je crois que j'avais écrit dans la récapitulation, ce passage de violoncelle-là. Et donc, je vais le rajouter ici. Évidemment, même si je regarde vraiment en... Ah! Ben, apparemment, on fait Insanity à 13 h aujourd'hui. Merci de la correction. Mais le lien est toujours bon, paritaire, et vous pouvez même donner un abonnement à mon frère qui est à présentement 26. Ce sera très apprécié, je crois. Donc, autrement à 13 h dans 1 h 54 minutes. Donc oui, c'est ça, comme je disais, même si je regarde violoncelle et alto, violoncelle et contrebasse en priorité, il y a quand même des moments où est-ce que je vois quelque chose d'autre dans une autre ligne qui m'intéresse. Et donc, ça, je m'empêche pas de d'écrire sur les autres instruments. Comme le petit passage de violon 2 alto ici qui rejoignent la mélodie. J'essaie de garder mais des choses que j'écris quand même au minimum. Mais évidemment,
Ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Hein. On veut beaucoup écrire de toutes les choses qui nous intéressent. Pour l'instant, rien de bien important que j'avais oublié la première fois. Bon, le passage ici de basse. Entrée de contrebasse, toujours un moment important en musique. Donc voilà pour la partie de contrebasse et violoncelle. Maintenant, alto, violon 2, violon 1. Alto qui peut autant servir avec les violoncelles qu'avec les violons 1, violon 2. Tout dépend des occasions, hein. Il y a un beau changement entre violon 2 et violoncelle ici, triolet avec du volet à faire, à bien présenter. Alto avec le thème pour la fin de ce passage-là. Violon 2 qui prennent le thème ici que j'avais écrit un peu plus tôt. Tout ça, c'est bon. Ah, cette fois-ci, c'est violon 2 et alto qui jouent la partie de croche. Moment intéressant lors de cette récapitulation. Rien de bien important à noter ici. Évidemment, là, il y a l'entrée de violon solo que je vais revenir un peu plus tard. Le contrechant dans les cordes, mais il y a toujours autre chose plus importante. Ici, violon 2 et alto. Qui joue en paire.
et le passage de pédis qu'on avait déjà noté un peu plus tôt. On va revenir au passage de violon solo avec corps et hautbois. Cette fois-ci, la réponse, elle est au flûte clarinette, alors que je crois qu'elle était au hautbois avant. Ici, le corps va dans son propre, dans sa propre ligne, alors que le violon 1 solo va également dans sa propre ligne. Et le hautbois ne joue pas. Et donc, peut-être que le hautbois ne revient jamais avec le groupe de solistes. Ah oui, c'est à peu près ça. Ouais. Ici, l'entrée de solo. Super. Maintenant, on a terminé la partie de d'alto. Ils ont deux, ils ont un. Maintenant, trompette et timbale. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué ici, mais l'entrée est déjà bien indiquée. Encore une fois, timbale, trompette ici. Trompette, timbale. Ici, je pourrais. Ah, ça c'est corps, ça n'est pas trompette. Une chance que je travaille avec un crayon qui s'efface quand même. Donc, j'avais fait bien mon travail lors du survol pour bien examiner ces deux partitions-là. Je pense qu'il n'y avait absolument rien à rajouter. Maintenant, la partie de corps. Corps est toujours difficile. Dans ce cas-ci, c'est deux parties de corps, mais c'est un instrument qui joue presque tout le temps, en fait. Oui, voilà. Ça, c'est seulement deux corps pour ce mouvement. Il passe souvent, il accompagne les cordes, souvent, il accompagne les bois. Et donc, le corps a beaucoup de travail à l'orchestre en général. Soutien harmonique, soutien rythmique aussi. Pour l'instant, tout va bien avec eux. Ça, c'est fait. Ça fonctionne. Rien de spécial ici, le corps qui accompagne évidemment la partie de violon solo. Bon, j'ai une mauvaise indication ici, j'ai marqué violon 1. J'aurais dû marquer solo et ici corps qui accompagne.
notre changement de note dans le corps ici et on arrive grosso modo à la fin. Voilà, partie de corps terminée. Mon but quand je fais le premier survol au début, c'est que qu'il n'y a presque rien à recorriger ensuite. Donc je suis toujours très heureux quand ça arrive. On va rajouter. Le but, j'essaie de garder mes parties le plus simple et clean possible. Donc ici dans Brahms, il faut toujours faire attention de bien regarder les entrées de contrebasson. C'est facile de les oublier. Ici un petit interlude de basson. Rien de bien spécial pour clarinette basson à cet instant. Pas d'entrée de contrebasson non plus. Ça, c'est le solo de clarinette qu'on avait bien indiqué auparavant. Tout va bien encore. Pas de contrebasson. Entrée de clarinette ici. Clarinette. Pas de contrebasson encore. Waouh. C'est facile de l'oublier dans ce cas-là. Ici, contrebasson avec les bassons avec le violoncelle, très très standard comme type d'orchestration. Si la clarinette répond seule alors que c'est hautbois flûte avant. Toujours pas de contrebasson. Ah, entrée de contrebasson ici. De clarinette, contrechant du violon. Ah, entrée de contrebasson. Je vais l'écrire tout de suite avant de l'oublier. Et maintenant, dernière étape est la partie de hautbois et flûte. Et je marque toujours au début de ma partition quand j'ai étudié chacun des instruments avec une barre. Comme ça, je me souviens quel instrument j'ai étudié. Si jamais j'avais arrêté de regarder ma partition pour aller à un cours, par exemple. Ou si c'est une partition qui est très longue à étudier. Rien de bien spécial ici. Flûte, l'entrée elle est écrite.
Ah, ici, un beau contrechant de clarinette et flûte 2. Maintenant, je vais savoir. Et voilà, la partie de hautbois flûte est terminée. Donc, ce deuxième mouvement m'aurait pris autour d'une cinquantaine de minutes à étudier, alors que j'ai passé près de 3 heures hier sur le premier mouvement. Mais il faut dire que le premier mouvement est beaucoup plus long, avec 500, presque 10, 510 mesures. Et dans celui-ci, mouvement lent aussi, beaucoup moins de mesures, même si c'est le même temps au niveau de la longueur de l'œuvre. Et donc, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cette étude. Et on sera de retour demain pour continuer sur le troisième mouvement de la première symphonie de Brahms en préparation du 31 décembre à 13 h, alors que je vais diriger toutes les symphonies Brahms avec le concerto de violon. Merci beaucoup de votre présence ce matin et à très bientôt.